le 15 août et dont le prix de lauréat des trois dernières années a été récompensé hier pour les deux. Pour remplir au cadre de guerrier de l'eau. Article de plus, ce sont des séjours du déco, je vais y arriver, le 4 avril. Le 4 avril. Fisson du Pécos et l'Auberti. Par le carreau assez rare, Mister Matt, c'est la montre dans les années 90. Ah, mais vous la reposez après. C'était à l'époque un, s'il vous plaît. Un cheval qui s'est il faut savoir si dans les années 90, c'est un cheval venant de l'hippodrome de Deuil avec très très peu de succès populaire. On recherchait essentiellement de la vitesse. Il est, si on est bien sûr, très différent aujourd'hui. C'est un cheval qui se sait illustré au Deuil. Même sans avoir gagné les groupes, obtient un succès immédiat avec plus de 100 ans. Vas-y, vous pouvez revenir. Guerrier des roues, et donc issu de Frisson du Pécos et l'Auberti. Poulinière tout à fait remarquable, qui a donné naissance à une vedette, le Boujassou. 8 victoires, notamment, dans le style national des entraîneurs à Hong. Le Boujassou qui dépendait d'entraînement royanais. On ne peut pas se tromper, c'était François Nicole, avant que ce soit avec quelqu'un. Je crois que c'est François Nicole, mais il y a quelqu'un qui va nous confirmer ici. Tandis que c'est une équipe de joyeux drigues de Pompadour qui, dans une foulée conquérante, nous présente le guerrier des mondes.